Et bonjour, bonjour à tous, ici Glan von Brilan, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série que je pense que je vais baptiser Neo Flash. Neo parce que c'est une nouvelle série, Flash parce que c'est sur des jeux Flash, et puis c'est aussi en hommage à moi-même parce que je suis extrêmement modeste, tout simplement parce que Neo Flash c'est mon ancien pseudo. Donc c'est Castle Wars! Édité en 2007 par Marcel Lumino, alias Morkolv, qui est comme ça, qui est un petit jeu de cartes très sympa. Vous allez voir. Expérimenté. Oula, par contre, stop. Alors, je coupe la musique parce qu'elle est chiante. Vous l'aurez de toute façon pas normalement, mais je vous mettrai normalement un petit quelque chose. Oui, ça commence comme ça. Donc, il y a deux châteaux. Moi, je suis château bleu à gauche, hein, vous voyez. Là. C'est celui, c'est moi, c'est souligné, c'est parce que c'est mon tour. Et à droite, c'est l'ordinateur. Donc, chaque château a, comme vous pouvez constater, non, vous pouvez ouvrir mon curseur. Là, vous voyez, j'ai 30 points de vie et 10 points de muraille. Donc, ça concerne mon château. Pour gagner, il faut soit que je détruise le château adverse, en le mettant à 0, soit que j'amène le mien à plus de 100. Pour ça, donc, on a les cartes rouges qui consomment des briques. Vous voyez ça? C'est un mur. Ça consomme des briques, ça prend une, et ça me donne plus 3 à la muraille. Il y a les cartes vertes, qui sont les cartes d'attaque, qui coûtent des armes. Celle-là coûte 15 armes, et c'est un voleur, donc il transfère 5 ennemis stock, c'est-à-dire qu'il va prendre 5 briques, 5 armes et 5 cristaux chez l'ennemi pour les mettre dans la poche. Et Platoon, bah ça c'est juste attaque 6, donc ça fait 6 de dégâts, bien entendu. D'abord, la muraille prend les dégâts, puis le château. Enfin, il y a les cartes bleues, qui sont les cartes de magie, qui elles consomment des cristaux. Construire des trucs magiques, soldiers et builders, donc les constructeurs, soldats et magiciens, ça correspond tout simplement à la quantité de ressources qu'on obtient par tour. C'est-à-dire qu'avec deux constructeurs, j'obtiens deux briques par tour. Avec deux soldats, j'obtiens deux armes par tour, etc. Sur ce, j'ai commencé. J'ai commencé en lui en mettant plein la tronche. Voilà. Donc, du coup, il y a reconstruit un peu. Une école, vous voyez ça? École, sorcière, tout ça. C'est des trucs donc, qui coûtent à chaque fois 8 d'une ressource, mais qui augmentent ma ressource par tour. C'est-à-dire que là, pour 8 cristaux, j'ai Magic plus 1, donc je vais gagner un Magic. Donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 2 cristaux par tour, j'en aurai 3. Ce qui est avantageux. Du coup. Je peux utiliser une brique, du coup j'ai de toute façon 8 au prochain tour et je pourrais balancer l'école. Attendez, lui il vient de recruter, il vient de dépenser 8 armes pour se faire un soldat supplémentaire. Cependant, s'il croit que ça va le sauver, il se met les doigts dans l'œil jusqu'au trognon. Moi je suis une école, voilà, parce que les ouvriers doivent apprendre à lire. Au Moyen-Âge. Silence. C'est comme ça que ça se passe, hein, je. C'est pas moi qui décide, hein, j'ai pas fait le jeu. On fait une petite base, pareil, on va économiser. Au prochain tour, on va lancer un deuxième sorcier. Dès le début de la partie, on sera à 4 de Magic, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Tac. Et voilà ce qu'il va avoir. Alors, les animations sont pas super fluides, j'imagine que c'est parce que je suis en train de record. Pourtant, j'utilise OBS Studio là, qui est pas très gourmand en ressources. Ah oui, d'ailleurs, j'y pense. Si vous pouviez. Des petits nuages à gauche et à droite qui sortent du jeu, c'est parce que j'ai mis le jeu, hein, le jeu Flash, en plein écran dans Firefox, sans la fenêtre autour, donc ça déconne un peu, c'est pas grave. Faut pas à vous inquiéter pour ça. J'ai ces Crush Crystals, donc j'ai dépensé 4 cristaux pour lui en péter 8. Bré! Dans ta tronche. Ouh, des lutins. Oui, les cartes de magie portent essentiellement sur les ressources. Soit en détruisant celles des ennemis, soit en vous en conjurant. Bon, là j'ai pas de carte de conjuration, mais je pourrais me conjurer des armes, des briques ou même des cristaux d'ailleurs. Mais ils peuvent également remplacer d'autres cartes, notamment avec les lutins qui me donnent donc plus 22 au château. C'est beaucoup, ça coûte 22 cristaux aussi. Et il y a aussi le dragon qui coûte 21, je crois, et qui lui fait des dégâts donc remplace ses cartes d'attaque. Bon, là-dessus. Je fais une petite base. Et. Oula! 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 Il a 30 armes! Ouh, s'il stoppe une banshee, il va me défoncer ma race! Pardon. Ouh, Babylone!
Un deuxième Babylon. Donc oui, Babylon, ce qui coûte très cher, 39 briques, mais plus 32 au château. C'est beaucoup, c'est beaucoup. On veut lui péter ses armes un peu. Je trouve qu'il en a trop. Ceci dit, s'il en a autant, c'est qu'il n'a pas de carte d'attaque. Donc s'il a rien à en foutre, est-ce que c'est si grave que ça qu'il ait autant d'armes? Bon, m'en fous, au prochain tour, je balance un voleur, je pique tout. Aïe. Donc il a utilisé chariot, donc il m'a piqué 8 briques. Non, il m'a piqué 4 briques, et lui, ça en a fait 8. Faut pas réfléchir. Donc voleur! À moi! Même pas peur. Vas-y, envoie-moi des chevaliers au visage, j'ai pas peur, m'en fiche. Tiens, je t'envoie des lutins, regarde. Prêt! Mais oui, mais fais ce que tu veux, je m'en tape. Regarde, regarde, je conjure des briques. Blam, plus 8 briques. J'ai chopé un autre. Ça sent le Babylone! Je vais te babylonner! Je vais te babylonner, les mecs, vous allez voir. Oui! J'ai gagné! Je vais te babylonner! Voilà. Ah bah tiens, ça a bugué. Alors, elle considère bien que j'ai gagné parce que j'ai 72 plus 32, donc je devrais être à 104. Et comme j'ai plus de 100, j'ai gagné. Mais là, le château, c'est pas affiché. C'est la première fois que je me tape ce bug. Du coup, on va essayer. Et cette fois, on va essayer de le détruire. Donc, je l'ai babylonné. Ouh, dragon. On va commencer par un petit tour. Ouais, conjure crystals. Donc là, ça me coûte 4 cristaux pour m'en invoquer 8. Donc en fait, au final, j'en ai juste récupéré 4. Je recrute. Ah. Oh, je vais le babylonner. Donc là, vous voyez, il est stupide parce qu'il utilise un croche cristal, ce qui m'a pété 8 cristaux. Sauf que j'en avais que 5. Donc c'est du gâchis en fait. C'est le problème de l'IA en fait, c'est qu'elle est conne. Même en mode de difficulté expérimenté. Heureusement que je joue pas en débutant parce que alors là, c'est une catastrophe. Ça sera une catastrophe. Après, c'est vrai que j'ai un peu été verni avec mes cartes. Hein. Alors que lui, pas, je voyais par exemple, il avait énormément d'armes, mais il balançait pas d'attaque. C'est-à-dire qu'il avait plein d'armes, mais il avait pas de carte d'attaque. Du coup, il pouvait rien en faire, le pauvre. Oh, encore un Babylone. Oh, bien joué. J'ai pas un super jeu cette fois. Bon, je pense. Alors, soit vous voyez, soit il coûte 18 armes et il fait que 10 dégâts. Mais la particularité, c'est qu'il ignore la muraille. Cependant, 18 armes pour 10 dégâts, c'est quand même de la merde. Donc j'appuie sur contrôle, comme ils disent en bas. Hein. Il faut maintenir contrôle pour pouvoir se débarrasser d'une carte et en piocher une autre à la place. Crush Break, c'est déjà mieux. Aïe. Ah, un monteur, un chevaucheur de sauterelles. Vous dire à propos du souhait, c'est n'importe quoi, parce que c'est complètement médiéval fantastique. C'est des châteaux, il y a des lutins, il y a Babylone, il y a des chevaucheurs de sauterelles, des dragons, et il y a le souhait. D'accord. Donc là, vous voyez, il a utilisé la réserve. Ça pète sa muraille de 4, mais ça donne plus 8 de châteaux. Et en fait, c'est extrêmement efficace. Quand vous êtes par exemple dans mon cas et qu'il n'y a plus de muraille. Parce que là, c'est juste plus 8 de château pour seulement 3 bikes. C'est craqué. Surtout qu'en plus, ça coûte toujours plus cher d'améliorer son château que d'améliorer sa muraille. Et oui, pour une brique, j'ai plus 3 en muraille. Alors qu'avec la base, pour une brique, j'ai que plus 2 au château. Tiens, je t'envoie une flèche. Je t'envoie des archers au visage, moi. Ça lui fait rien. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'ai vraiment un jeu nul là. Hein. Je me fais un petit mur. Voilà. Il y a le bout du gland de ma muraille qui dépasse. Qui dépasse. Ouh! Muraille! Prêt! Oh, la malédiction. La carte la plus craquée, la plus chère du jeu, la malédiction. Alors, c'est une malédiction, ça a donc le symbole de la croix chrétienne, c'est logique. Ça coûte 45 cristaux et en fait. Nous, ça fait tout plus 1, ennemi, tout moins 1. Ce qui veut dire que ça fait gagner un constructeur, une brique, un soldat, une arme, etc. Et lui, ça en fait perdre.
Alors, sachant que je l'ai déjà essayé, on peut pas l'amener à 0 builder ou 0 soldat ou quoi que ce soit, c'est minimum 1. Mais c'est quand même craqué. Cependant, avec seulement 2 magiciens, d'ici à ce que je l'ai, mais le SWAT. Ce qui est terrible, c'est me dire que je vais devoir balancer le SWAT parce que j'ai rien d'autre. J'ai que ça. C'est une catastrophe. Oui, bah je vais faire des miracles. Hein. Oh là là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Je. Tant pis pour la. Tant pis pour la malédiction, mais là je. Putain, puis il pète mes briques alors j'en ai déjà pas beaucoup. Faut me la paix. Oh là là. Ah, c'est aussi beaucoup moins bien parti que la dernière fois. Puis il se fait des. Puis lui, il a toutes les cartes du monde, des soldats, des écoles, tout. Moi, j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. La seule carte d'augmentation que j'ai eue, c'est un recrutement. J'ai un soldat de plus, mais ça me sert à rien. J'ai pas de carte verte. Oui, bah oui, bah si tu veux, je m'en fous. Mais sérieusement, j'ai chopé un autre crush weapon. Je bazarde de l'autre, écoutez. Aïe aïe aïe. Mais oui, mais vas-y, mais recrute. Qu'est-ce que je m'en fous? Ah bah quand même! C'est pas dommage! C'est pas dommage. Ah, un autre. Enfin, enfin, j'ai plein de magiciens et un saboteur. Et oula, je crois que le jeu avait planté. Et un saboteur, oh là là. Attends, plus que tu récupères des cristaux, je vais te saboter la tronche, moi. Et une école, oui, oui, ça y est. On revient dans la game, là, quand on dit. Mais non, mais. Je peux avoir des cartes bien, s'il vous plaît? Non? D'accord. Aïe. Banshee, la carte d'attaque la plus puissante. Pour 28 armes, 32 d'attaque. Bref. Cependant, ça. Je vais pas lui faire un enemy stock moins 4 alors qu'il a pas d'armes. Une autre malédiction, mais oui. Sabotage! Je suis tellement dans la merde. Je suis tellement dans la merde. Je cherche à tout ridicule, j'ai pas de muraille. Il a 44 de muraille. 61 de château. Il chope un Babylone et un fort. Et... Mais oui, mais oui. Putain. Sabotage. Sabotage. Oui, une banshee. Enfin. Qui va s'arm... Oui. Malédiction. Et il s'en bat les couilles. Très bien. Très bien. Non, je prends pas mal. Voilà. Je suis les gros bobos à Saint-Mural. Oh, ça va mieux. Aïe. Donc là, oui, réserve, bré. Il n'y a rien à enlever à ma muraille, mais je gagne quand même plus 8 au château. C'est craqué. Dragon! Dans ta bouche! Ya! Yeah. Ta gueule à la récré, toi. L'enfoiré. Mais je me rends compte que là il va pouvoir mettre un qu'elle est un fort en fait. Aïe 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 aïe. Oh non, il a un Babylone. Je crains qu'il n'ait un Babylone. Oui, un dragon.
Wagon! Prêt. Ton Babylone ne te sauvera pas, minable. M'en fous, je fais pareil. Voilà. Aïe. Foiré. Tiens. Oula. Ah oui, ça lag un peu quand même. Mais non! Qu'est-ce que je vais faire? Un petit problème dans l'équilibrage des cartes, c'est-à-dire que vous voyez, pour 39 briques, j'ai 32 châteaux. Donc ça coûte plus de briques que ça n'améliore mon château. Or que là, pour 18 briques, plus 20 châteaux, c'est carrément plus rentable. Et merde! Une dernière. Il m'a babylonné. Je l'ai babylonné, il s'est vengé, il m'a babylonné. Alors, muraille, muraille, muraille ou muraille? Je me demande bien. Bah, chevaucheur de sauterelles parce que j'aimerais bien mettre une petite école vite fait. Je peux me faire un mur. Mais putain. Ça, c'est bien joué de sa part. Bon, je conjure des armes pour le lols. Putain. Ta maman. Mis au monde. Vous attendiez à quoi, hein? Une grosse insulte bien sale? Eh ben non, je suis pas comme ça. Putain! Sabotage! Non, c'est voleur. Putain, mais je vais rien voler, merde! Mais. Oh. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Mais arrête de donner que des cartes rouges! Merde! C'est pas ce que je voulais mettre! Mais non! Oh, mais il me fait péter des câbles! L'école, on se plante pas. Mais non! Mon dieu, il est horrible là. Et il est vénère. Il dit 1-1 et fait bah, le match. Je te nique. Je te paye ce qu'il me dit. Je dis non, jamais. Je ne te laisserai pas faire, espèce de minable. Tiens, je te mets une deuxième école, qu'est-ce que tu vas faire? Les gens ils savent lire, tu peux rien faire. Ils savent compter aussi. 1-1-1-1-1. Tiens, je dis que t'es briques, c'est mon tour. Tu fais moi le malin, hein. Ah non, il s'en fout. Méga muraille, regarde. Paf! Je n'ai une plus grande que la tienne. Une muraille. J'ai une plus grande muraille que la sienne. Oh. Eh. Attention à ce que vous pensez, hein. Il s'était pas... Il est con! Il y a 19 armes, pourquoi il me l'a pas mis sur la tronche? T'es débile, regarde, regarde comment on fait! Bref! Voilà, c'est comme ça! Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? L'IA qui bug! L'IA qui bug! Pourquoi elle se débat? Pourquoi elle jette ses cartes d'attaque alors qu'elle peut me les mettre? Mais arrête de faire des murailles! Mais non! Mais non! Bon, j'ai acheté un SWAT, j'en ai pas besoin d'autre. Hein. L'IA qui bug! Waouh! Pourquoi elle se débarrasse de ses cartes d'armes? Je comprends pas. Utilise-les, espèce de débile. Oui, voilà, comme ça. Bon, regarde, je fais pareil.
Oups, 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 je casse tout. Normalement, vous n'avez rien vu, mais j'ai fait un retour écran d'accueil Windows 10. Windows 8, pardon. Tiens, un deuxième sorcier, voilà. Voilà. Mais c'est pareil! Pourquoi tu l'utilises pas? Pourquoi tu l'utilises pas, espèce de débile? T'as 27 briques! L'IA qui est complètement buggé! Oh mon dieu! La victoire trop facile! Mais te donne pas des armes! T'as acheté toutes les cartes qu'il pouvait les utiliser! Aïe! Babylone! Je vais te babylonner! Mais arrête d'acheter tes cartes! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il lui prend? Oh, ça sent le Babylone! Ça sent le Babylone! Il va me babylonner! Sabotage! Je te baise! Oh non! Oh là là! C'est la merde! Malédiction! Ha! Fort! Rien à foutre! Non! Non! Bon, c'est pas grave. Bon, je me suis fait mettre la tannée par l'IA, c'est un peu la honte. Donc j'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Ça fait les quelle heure? Ouais. Ça fait plus de 20 minutes là, oh. Oh. Bon. Sur ce, au revoir à tous. Et à la prochaine.